Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NW3 pour l'épisode 2. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre le petit like et à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et du coup, on s'était arrêté à Réacteur, donc j'essaierai quand même de sortir une vidéo tous les jours. Du coup, c'est parti, un petit chargement. Alors évidemment, dans les cinématiques, je me muterai. Hein. Sera au sol si on en a besoin. Ce sera le cas. Oh. 30 secondes. Notre altitude est de 2000 HEL. On est à la limite. Et voilà. On se retrouve au point de ralliement. Ok. Tenez-vous prêts! Go! Bon, le saut au parachute, on va essayer de pas de faire de la merde. Watcher 1 pour Bravo, la reconnaissance est en place. Attention, bon. Connie, à trois hélicoptères on va atterrir ici. Sont marqués par des fumigènes oranges. C'est comme ça qu'ils comptent extraire la matière nucléaire. Affirmatif. Ces hélicoptères sont notre principal objectif. Détruisez-les pour contenir la menace. Bien reçu. Je me place en couverture. Ok, c'est bon, je peux parler. Oui, comme je vous disais, hein, je préfère... Des traces de radiation. Négatif. J'ai scanné les hélicos et RAS. Tu vas pouvoir y poser des explosifs. Reçu. C'est bon, je peux parler hein. Oui, comme je vous disais, je préfère me mute quand il y a des cinématiques. Il y a un ravitaillement à proximité. Profitez-en pour vous équiper. Je vais y arriver. Oui, comme je vous disais, je préfère me mute quand il y a des cinématiques. Comme ça, c'est plus agréable pour vous, pour écouter les dialogues. Enfin, voilà, quoi. Du coup, c'est parti. Alors, j'espère que je vais pas faire de la merde dans la vidéo. On est au point établi. Connie en vue. On essaie de sécuriser le périmètre. On peut monter apparemment. Ouais, mais bon. Le capitaine lance l'assaut. Je promets rien, lieutenant. Bouteille. 06, j'ai repéré plusieurs ennemis près de l'hélico. Reçu, Watcher. Ok, ouais. Restez sur vos gardes. L'ennemi est partout autour de vous. Mais on n'a pas de silencieux. Ah ouais, d'accord. Hein. Ah, ils vont me voir, ils vont me voir. Ouais, ouais. Attends, mais comment je peux procéder? À moins que je monte hein. J'ai peur de faire une bêtise, non, tu vois, moi. Mais on n'a pas d'armes silencieuses, non? Non. On va se faire repérer, non? On va essayer de le tuer discrètement. Ouais, bah tant pis, hein. T'es obligé de me faire repérer, hein. Hélico en visuel. Oula. Je vais essayer de faire de la filtration, mais... impossible. Ouais, je vais mourir. Ouais, c'est pas grave, si je meurs, je voulais recommencer. Mais je sais pas si on peut se la faire discrète. Parce que là, ils étaient beaucoup quand même. Hein. Je vois pas comment on peut se les faire sans se faire opérer. Parce que le problème, c'est que... Alors si c'est trop long dans la vidéo, peut-être que je ferai des coupures hein, dans le montage. Pour pas que ce soit trop long, pour que ce soit plus agréable pour vous à regarder. Hein. Hélico en visuel. Reçu 06, c'est votre cible. On est au point établi. Connie en vue, on essaie de sécuriser le périmètre. Restez discret jusqu'à ce que le capitaine lance l'assaut. Je promets rien, lieutenant. Non mais d'accord, mais...
J'observe la zone. Reçu. Bon. Activer la vision thermique. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Attends, mais comment je comprends pas. Bon, déjà, on va prendre ça. On va prendre des plaques. Non, on peut pas le prendre. Il y a quoi? Il y a ça, des munitions, un kit de soins. Ouais. Alors, je sais pas si je dois faire ça, mais on va essayer, on verra bien. Pour une frappe de mortier. Reçu. Le mortier arrive. Vas-y, on va essayer, on verra bien. L'hélico ennemi va se charger. Toutes les unités, premier hélico neutralisé. Excellent travail, passez à la cible. D'accord, du coup, il fallait détruire l'hélico. Un JLTV approche de votre position, John. Ouais, mais attends, je vais me faire repérer aussi, du coup. On va attendre. Ouais, bah allez, je me doute. Je vois toujours aucune trace de radiation. Johnny, Garrick, quelque chose. Négatif. Les colis non plus. C'est pas de la matière radioactive. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent? Dépêchons-nous de découvrir. Et ouais, mais là. On peut pas utiliser ça là? Ça va être l'Orient, on va comme ça on se casse. Il vous submerge, capitaine, défendez-vous. Pourquoi je fais quoi là depuis tout à l'heure? Fini la discrétion. Non, voilà, je suis dans la merde. On va essayer de partir, on va essayer de se cacher. Normalement, en se cachant, je crois qu'on peut. Enfin, ça peut se calmer normalement. Enfin, normalement, l'alarme, je crois, elle s'est stoppe normalement quand on reste à couvert. On va rester ici en attendant, on va voir. Ah mais le problème c'est que l'arme que j'ai, elle est pas silencieuse. Bah ils sont par là. Bah ils m'ont vu. Hein. Bah ouais. Ah mais c'est impossible. Bah ouais mais tu es obligé de te faire opérer. Bon, c'est quoi? On va partir d'ici. On va essayer de les... Oula. On va essayer de les esquiver. Hein. La tourelle vous prend. Le deuxième hélico est tout prêt. Connie t'attend de pied ferme. Putain, mais y'a que moi qui me fais repérer dans ces missions ou quoi? Moi qui veux faire de la filtration à chaque fois, c'est impossible quoi, limite. Hein. Alerte Connie. Ah ouais mais... Bon c'est quoi, on va rester dans un coin et on verra bien. Bon, on se met la petite plaque. C'est quoi ça? Enfin le plein de munitions, oui. Ah, on dirait que ça se calme. Voilà, faut juste patienter un peu, quoi. Tant mieux. Il y avait quand même beaucoup d'ennemis, hein. Surveille les toits. Je vois des tireurs ennemis. Bien reçu, merci pour l'info, Ghost. Oh merde, il y a un ennemi devant. Non, 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 non. T'as rien vu. T'as rien vu, hein. Ok, on n'est pas loin. Est-ce qu'on peut ici y aller?
Oh là, je suis un peu dans la merde là. Merde, il va me voir là comme ça, non? Bah ouais, il m'a vu, hein. Bah tant pis, hein. Bah ouais, non, mais. Vous êtes cerné, capitaine, sortez de là. Attention, bravo. Les hélicos ennemis arrivent avec des renforts. On se reflète sous le toit. J'ai trouvé un autre hélico. Rotez 06, détruisez-le. J'aimerais bien, mais bon. 06, vous êtes proche du dernier hélico. Je détecte une forte activité. Bien reçu, Watcher. Bah, j'aimerais bien faire exploser, mais c'est impossible. Endommagé. Ah, il est pas détruit en plus, hein. Ouais. Au corps à corps. Oh là, je vais mourir. Non, on se mettra à couvert. Allez, on se met des plaques. Ah, ça bug. Allez, les derniers. Ouais, je sais bien. On va essayer de faire envie. On va se mettre à couvert quelque part et on va camper, hein. Tourner parce que là. Les portes sont verrouillées. Faisons en sorte que ça dure. Merde. J'aimerais bien que ça stoppe l'alarme là. Là, c'est pas évident là. On va essayer de se mettre à couvert quelque part. Il m'a pas vu, on va pas tirer, ça sert à rien. Attends. Par là peut-être. Bah ouais, mais... J'ai trouvé un lance-roquette. L'hélico va pas te résister longtemps. Ouh, tu vois ton lance-roquette, je vois pas moi. Hélico me canard. Utilisez un lanceur, John. Non, non, on va le garder ça. Bon, on va les tuer. C'est pas grave, si on s'est fait repérer. Ah bah tiens, bah voilà la roquette. On va la prendre. Non. Ok, un peu pompe, mais non. C'est quoi ça? Des plaques. Quelque chose pour l'abattre. Ouais, mais attends. Où tu vois l'hélico déjà? Cachez-vous dans la tour et attaquez-le avec tout ce que vous avez. Attention à la tourelle. L'hélico abattu, bien joué, Bryce. D'accord, du coup, maintenant je dois rester à couvert. Et là, normalement. Toi, tu meurs. D'autres soldats débarquent. Ok, bah vas-y, bah qu'ils viennent. Hein. Ils ont pris. Un
Un véhicule blindé équipé d'une mitrailleuse se dirige vers vous. Bon, là, j'ai trouvé une arme silencieuse, donc ça sera beaucoup mieux. C'est quoi ? On va prendre la hauteur, comme ça, peut-être qu'on pourra sauter en parachute. Hein. On va bien voir. Comme ceci, par exemple. À toutes les unités, les niveaux de radiation sont tout à fait normaux. Ils sont pas là pour ça. Le nucléaire est sans doute un prétexte pour brouiller les pistes. Toi, tu meurs. Oh la merde. Attention, il vous cherche. J'ai trouvé le dernier hélico. Entendu, détruisez-le. Cible marquée pour frappe aérienne. Affirmatif, bravo. On se mettra à couvert. Les tirs sur l'hélico sont efficaces. Dernier hélico détruit. Joli travail. Vous avez mis fin à l'opération d'extraction de Connie. Attention, bravo 06. Connie est entrée dans le réacteur, vous devez vous y rendre et vite. Je vais au réacteur, mais j'ai encore des ennemis sur le dos. Reçu, à toutes les unités, dépêchez-vous de rejoindre le réacteur. Par contre, attends, le réacteur, mais où exactement ? Des fenêtres de toi. Je pourrais peut-être passer par là. On avance enfin. Capitaine, l'entrée dans le réacteur se fait par le bâtiment en forme de dôme, au centre du complexe. Oula, attends, je suis perdu là. J'ai pas bien compris là. Attends, y a pas un point qui nous indique, non? J'ai pas bien compris là. C'est quoi? C'est pas grave, on va les tuer. Hein. Normalement, faut rentrer à l'intérieur, si j'ai bien compris. Ouais, je dis ça, je sais même pas en fait. C'est où le point jaune là? Ah non, c'est ça! Ouais, j'ai rien compris en fait alors. Pas de menace immédiate, vous pouvez y aller. Alors, il y aura peut-être une coupure au montage. Hein. Parce que là, je vais pas vous mentir, je sais pas où c'est. Ah bah tiens, c'est là du coup. Hein. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé. J'ai localisé le point d'entrée. Nickel. Bien reçu. Par contre, on va se mettre des plaques pas quand même avant. Voilà, c'est good. J'entre. Confirmer ce qu'elle contient. Négatif inconnu. Bravo, ouvrez le feu sur cet hélico.
il va pas... Mais il va partir du coup l'hélico. Mince. Putain de merde. À toutes les unités, Connie est en train d'extraire des armes chimiques. Moi ouais, j'ai pas réussi la mission là. Je vais essayer, Ghost. Un instant. Ici 06, le réacteur est fermé, je suis coincé à l'intérieur. 06, les images sont en train d'accéder au réacteur. Restez à couvert, c'est bien vers vous. Je suis trop exposé ici, je peux pas rester là. Il n'y a rien pour se mettre à couvert ici. Alors là, comment je vais faire? On va rester là-haut, il n'y a aucun élément de nature. Je peux pas m'abriter ici. Attends, j'espère que c'est normal. Attends, l'hélico, je pouvais pas l'avoir de toute façon. Il n'y a rien pour se mettre à couvert ici. À toutes les unités, le rez-de-chaussée est compromis. On nous attend au premier niveau. Non mais, je vais pas réussir là, attends, comment je vais faire? Bon, bah j'espère que c'est normal. De Barkov. Du sarin ? En grande concentration, c'est d'autant plus mortel. Une dose a contaminé toute la zone. Ils en ont assez pour éradiquer tout un pays. Pour l'instant, il est en celui de Farah. Faut qu'on la retrouve. Laswell, c'était des armes chimiques. Makarov possède du gaz sarin hautement concentré. Vous l'avez sécurisé ? Négatif. Le capitaine a failli laisser sa peau. Où est-il? Je suis là, Laswell. Où sont les missiles? J'ai retrouvé les missiles de Farah dans un bunker abandonné. Construit pendant la guerre froide. On connaît bien ce bunker. Farah aussi. Pourquoi Connie aurait besoin d'un silo pour des missiles portatifs? Bonne question. On doit se séparer. Je vais rejoindre Farah sur place. Va falloir se disperser pour balayer le complexe et récupérer ces missiles. Bien. Je dois aller à Arklov pour retrouver un contact qui pourra nous aider. La base militaire de Castovie. Comment vous comptez y accéder? Discrètement. Je vous tiendrai informé. On se retrouve à votre tour. Bonne chasse, bravo. 6 pour Ghost. Je suis au point de ralliement. Quelle est ta situation? Je m'occupe de Charlie. Tu prends Alpha et Kilo se charge de Bravo. Reçu. Attendez! Putain, Farah. Je t'ai fait peur, capitaine? Les Russes sont de retour en Urzikstan. Ouais, des mercenaires. Le groupe Connie. Ils ont récupéré des agents chimiques au nord hier. Et ils ont volé mes missiles à l'aube. Tout ça en moins de 24 heures après que Vladimir Makarov s'est évadé de prison. Il travaille vite. Ouais. Il doit rattraper le temps perdu, j'imagine. Allons-y. Qui t'a donné les missiles? La Shadow Company. La Shadow Company n'a pas ce genre de puissance de feu, c'est que des coursiers en uniforme. Mais c'est nos alliés. Ça les a pas empêchés de s'en prendre à mes hommes. C'est Graves qui a fait ça? Ouais, il avait reçu des ordres. De qui? Du général Shepard. C'est Shepard qui t'a envoyé ces missiles? Mes armes, c'est mon problème. Ces hommes sont très dangereux, Farah. On est tous dangereux, capitaine.
Écoute. J'ai pas envie de te mentir, mais je peux pas tout t'expliquer. T'as tes dossiers confidentiels, et moi j'ai mes secrets. Mon pays est à nouveau assiégé. Comme avait dit mon frère. Ça pourrait affecter bien plus que l'Urzastan. Alors on doit s'entraider. Et j'espère que j'ai toujours ta confiance. Évidemment. Bien. On se retrouve de l'autre côté. À toutes les unités. Bravo 6 en place. Kilo ? Kilo en position. Reçu. Votre drone est en survol. Vous et Farah avez le contrôle. Affirmatif. Beaucoup de Russes. Kony a fait venir toute une armée en Urzikstan. Pas de missiles en vue. Ils doivent être dans les bunkers. C'est bon. J'ai marqué un point d'entrée. Il faut une carte d'accès pour l'ouvrir. Farah a raison. On a éliminé un capitaine dans notre secteur. Il portait un béret rouge et avait une carte d'accès. Béret rouge, compris. J'en ai vu un vers les bâtiments en tôle, au nord de l'entrée. Béret rouge, c'est ma cible. Tu peux t'aider du drone pour avancer. Alors là, si j'ai bien compris, il faut les scanner. Pour les éliminer après, j'imagine. Bien. Craque-le et prends sa carte. Utilise-la pour ouvrir la porte. Et toi ? Il y a un autre moyen d'entrer. Reçu. Reste en contact. On se retrouve à l'intérieur. Ok, du coup, faudra faire silencieusement. Sniper sur la tour. Très bien, c'est toi qui vois. Le drone est encore actif. Utilise-le si besoin. Je descends du côté de la montagne. Veuille à rester discret. Ouais. Avec violence et discrétion. À toutes les unités, Kony déguise les lieux en base du FLU. Makarov prépare une attaque sous fausse bannière. Ses missiles sont américains. Il veut mettre ça sur le dos de Farah et de l'Occident. Il veut me faire passer pour l'ennemi aux yeux de tous. On doit découvrir son objectif avant qu'il ne soit trop tard. Pas de couverture à droite. Eh ben mince, je me suis loupé. Bon, là, il y a l'alarme, du coup, maintenant. Alors, j'ai bien envie de recommencer, là. Ah non, j'y arriverai pas comme ça, là.
Enfin, c'est pas grave si. Si je meurs, on va essayer de la refaire discrète. C'est pas évident. Hein. Bon. Du coup, il avait une armure, donc je savais pas. Du coup, on va pas les tuer, ceux qui sont à droite. Hein. Pas de couverture à droite. Oh, on peut les tuer par contre. Voilà. Eux, on peut les tuer, pour le coup. Oh non! Encore l'alarme. Tu l'as pas vu, hein. Ah, mais on peut pas... Mais ouais, mais ça va être compliqué, là. Comment je dois faire? Ah non, du coup, j'ai pas besoin de retuer les trois soldats. Attends, on va s'éloigner. Ouais, non, mais c'est bon. Mais peut-être en passant par là. C'est bon. Bon, pour l'instant, c'est good. C'était pas loin. Deux à leader. Parlez, gaz. Conny est en train d'installer des symboles du FLU partout sur les silos. Makarov prépare une attaque sous fausse bannière. Littéralement. Périmètre sécurisé. Reçu. Trouve le capitaine et récupère sa carte. Attention, Soap et Ghost sont à l'intérieur. Le signal est faible au sous-sol. Reçu. On essaiera de vous contacter dès qu'on aura trouvé les missiles. Ok. Un de moins. Sniper neutralisé. Il l'a pas vu venir. J'entre dans le bâtiment, hein. Un de moins. Oh.
le bâtiment. Il l'a pas vu venir. Je fouille le bâtiment 2. Вся спокойно. Да, понял. Понял. Открой. Deux pour le prix d'un. Et un autre. Un de moins. Il l'a pas vu venir. J'ai trouvé le capitaine. Capitaine neutralisé. Dis-moi quand t'as récupéré la carte. J'ai la carte. Bien fait. J'ai trouvé un point d'infiltration. Je te retrouve à l'intérieur. Kilo, terminé. Les unités. J'entre. Leader, attention. Je vois plusieurs kilos, mais aucune trace du missile pour l'instant. Ils savent qu'on est là. Te laisse pas faire. Je te suis. Restons pas là. Je suis derrière toi. Кого увидите? Огонь на поражение. Вот где. Alors, depuis tout à l'heure, je parle pas, mais là, c'est vrai que je suis très concentré. En tout cas, stylé la mission. Vérifie les armes. Ah, on doit sécuriser cette pièce.
pièce. Elle va pas m'apprendre à jouer, hein. En plus, c'est moi qui fais tout le travail. Hein. Attends, on va prendre la... Voilà, on va lancer la grenade. Voir ce que ça donne. Oh putain, merde. Oh là. C'est bon, il est mort. Oula, on va se mettre à couvert. Ok, ça se passe bien pour l'instant. Oula. Ah oui, bien vu. Oh putain. Ça va pas être évident. Hein. Voilà, ça va être compliqué là. Eh, toi tu meurs. Ok. Ils ouvrent les portes blindées. Je te suis. Pour annuler le lancement. Négatif. Je vais devoir accéder au boîtier de commande du missile. Se trouve de l'autre côté de cette porte. Compris. C'est verrouillé. Je vais ouvrir. Attends. À toutes les unités, on a localisé deux missiles. Les têtes sont chargées d'agents chimiques. Je répète, les missiles transportent des têtes chimiques. 7-1, qu'est-ce que t'as dit? Oh putain de merde! Porte ouverte. Le missile, ils vont le lancer, merde. Capitaine. 06, vous me recevez? Capitaine, vous êtes là? Je vous écoute. Connie a mis les agents chimiques de Makarov dans les têtes nucléaires. Ils vont les lancer. Mes missiles, mes drapeaux, mon pays. Il veut que le monde pense que t'es derrière tout ça. S'ils les lancent, tout le monde me croira coupable. Les agents chimiques, ils sont dans ce missile. Farah. Ce sont tes missiles, il doit bien y avoir un moyen de les désamorcer. Oui. On va faire ça ensemble. Le boîtier de commande. J'y suis. Prêt. Attends. On peut plus le désamorcer. On va devoir le laisser décoller. Quoi? On va fermer la porte blindée et on fera exploser. On garde les agents chimiques dans le bunker. C'est ça. Rejoins la surface, trouve les commandes et ferme la porte, capitaine. Et toi, tu seras où? Je vais me mettre à couvert et je tenterai de retarder le lancement. Allez, maintenant! Venez, on approche! Toi, tu seras où? Je vais me mettre à couvert et je tenterai de retarder le lancement. Allez, maintenant! Venez, on approche! Ah.
la cible. La base d'Arklop, en cas de sauvée. Oh non. Laswell. Kilo, je monte. Reçu. Dirige-toi vers la tour et prends les commandes. Capitaine, un hélicoptère ennemi approche de votre position. Il déploie des renforts. Ne restez pas là. Fais chier, cogner partout, ils défendent la tour. Traversez-les, ralentirez le lancement. Ensemble alors. Entre dans la tour de contrôle, Farah. Vite, capitaine, prends les commandes de la porte. Kilo, je ferme les portes blindées. Kilo. Farah, tu m'en sois ? Farah, est-ce que tu m'entends ? Compris, capitaine. Déflagration terminée. Missile détruit, agent chimique contenu. Reçu. Bravo, dis-moi ce qui se passe. On arrive trop tard, capitaine. Connie a encerclé les commandes. Gas, qu'est-ce qu'il veut dire ? Deux missiles, au nord-ouest de votre position. Non. Kate ! Watcher. Kate. Laswell, vous m'entendez ? Ici 6 à l'aveugle. Deux missiles se dirigent actuellement vers la base d'Arklov. Ils transportent des têtes chimiques. Si vous êtes dans le coin, dégagez ! Makarov. Les nouvelles vont vite. Seulement s'il le veut bien. Vous pensez qu'il bosse pour le Kremlin ? Ça m'étonnerait pas. J'ai un contact qui connaît peut-être la réponse. Il faut qu'on m'emmène. Où ? À la base militaire d'Arklov. Elle est très protégée. Je peux compter sur vous ? Pour arrêter Makarov, évidemment. Je dois entrer et surtout sortir. Mais ça peut vite se compliquer. J'aime les situations compliquées, Laswell. C'est bien ce qui m'inquiète. Qui est votre contact ? Yuri Volkov. Il fait partie de l'équipe ? Il s'est porté volontaire. Ça, c'est Yuri. Et on part quand ? Tout de suite. Reçu. C'est bon. Reçu.
Watcher à Yankee. Ok, je vais m'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc, la mission, elle était quand même assez intense, hein, surtout quand il y avait les mastodons, là, c'était pas évident. Au début, je croyais que j'aurais pas réussi à les tuer. Hein. Mais finalement, c'était pas si difficile que ça. En tout cas, la mission, elle était super stylée. Hein. J'ai bien aimé, alors je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Donc, on se retrouvera pour le prochain épisode, hein, pour l'épisode 3. En tout cas, bah, si jamais l'épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre le petit like et à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et du coup, je vais retourner au menu de la campagne. Alors du coup, j'ai fait le réacteur et le missile. Et pour le prochain épisode, ça sera la filtration. Et du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. Et ciao tout le monde.